On savait qu'un jour, on aurait une pandémie mondiale à cause d'un virus émergent. Et on y est aujourd'hui. Les différents champs de recherche de l'IRD couvrent un très large spectre qui permet d'analyser finement les particularités de la crise dans chaque pays, au-delà des seuls enjeux sanitaires. คุณผู้ชมคะคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจัดโครงการการได้ทรูโควิด19Donc le projet que soutient l'IRD avec l'aide de l'Agence française du développement va avoir pour objectif d'aider à faire encore plus de diagnostics. Et c'est maintenant qu'il faut pouvoir agir en fonction de ce qu'on sait déjà de l'épidémie et de sa dynamique sur le continent africain. Il faut agir maintenant, y compris en revenant sur les mesures qui ont été levées. L'objectif final du projet, c'est de proposer une évaluation régionale des risques d'épidémie liés au virus de type SARS-CoV et d'en informer les populations et les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Cameroun. Il me semblait aussi important et essentiel de comprendre ce que les populations pensent, disent et perçoivent du virus et de ses conséquences, mais aussi les différentes mesures qui sont mises en place par les systèmes de santé et les mesures de santé publique. C'est vers cet horizon que l'IRD regarde depuis des décennies. C'est ce monde de liberté et de responsabilité qu'il s'emploie à construire. Son expertise nous sera donc infiniment précieuse dans les mois et les années qui viennent.